Okay, it's recording. Okay. Bonjour, bébé. Coucou tout le monde. Alors là, comme je vous l'ai promis, on va faire un déballage de produits que j'ai commandés sur Faithful to Nature en Afrique du Sud. Et je vous ai dit qu'il y avait du maquillage et du savon. Alors on va regarder ce qu'il y a dedans. J'ai déjà ouvert le colis. Et puis je vais ouvrir avec vous. Alors, bon, ça c'est la facture. Hi Paul, keep smiling. Ok. Alors, maquillage. Ça, c'est un crayon Kajal Eyeliner noir de la marque Dr. Hauschka. Alors, tout ce qu'on a commandé là, c'est certifié vegan. Et en fait, sur le site de Faithful to Nature, il y a écrit vegetarian ou vegan. Et comme ça, on sait ce qu'on commande. Pas besoin de trop se casser la tête. Alors, environ 20% de leurs produits, de ce que j'ai vérifié, c'était vegan. C'est pas beaucoup, donc pas beaucoup de choix, mais au moins on est sûr que ça l'est, quoi. Donc voilà, le crayon noir pour mettre là, un eyeliner, vous savez ce que c'est, hein. Et du coup, je me suis aussi pris un taille crayon, parce que j'ai pas de taille crayon, hein. Je suis tellement minimaliste que j'ai même plus ça. J'ai tout laissé en France. Ouais, du coup, j'ai laissé mon maquillage en France, et c'est vrai qu'il y avait quelques années, alors je pense que ce maquillage-là, il va me durer aussi quelques années, hein. J'en utilise assez peu. Alors, celui-là, ça c'est un correcteur anti-cerne, en anglais il écrit concealer, et la marque c'est Naturalmente. Ouais. Et ça, ça va être la couleur jaune. Donc c'est bien pour cacher les cernes. Quand j'ai pas assez dormi, j'ai des cernes. Mais avant c'était pire, là j'ai pas grand chose, mais avant j'avais les cernes méga foncées. Donc le correcteur, c'est le minimum, quoi. Ensuite, ça c'est un mascara, de couleur noire aussi, et la marque c'est aussi Naturalmente. Alors, je sais pas si je peux déjà l'ouvrir, ouais. Voilà, hein, vous connaissez, hein, c'est rien d'exceptionnel. Mais au moins, c'est vegan, c'est pas testé sur les animaux, ça contient pas de produits d'origine animale. Donc pour moi, c'est bon, je suis contente. Et alors lui, on va essayer de l'ouvrir aussi, si c'est faisable. Ouais, c'est là. Qu'est-ce qui se passe? Comme ci, comme ça. Je sais pas comment on l'ouvre. Ça fait clic-clic, mais ça s'ouvre pas. Bon, pire, je coupe. Ouais. Allô? Ah, c'est par là, ok. Merde. Chut. Ok. Donc là, c'est un pinceau, et puis voilà, ça a balancé du jaune, la couleur jaune, pour les cernes. C'est bien. Et je pense qu'on peut aussi l'utiliser sur les boutons. Et ce machin-là, je crois que ça va être pour pousser le jus. Ouais, je vais tester ça plus tard. Ok, donc c'est tout pour le maquillage. Voilà. Et ça m'a coûté environ quasiment 1000 rand. Donc je vais vous mettre la conversion là dans la vidéo. Maquillage. Maquillage, yeah. Ensuite, alors en cadeau, on a eu la poudre pour laver le linge. C'est gentil. Ben, on va l'utiliser là chez la propriétaire qui nous prête son lave-linge. Et ensuite, on a des savons. Alors on a choisi un peu au pif des savons parce qu'on s'est dit bon, on a plus de savon, alors on va en recommander. Là on en a 4. Désolé, il y avait un avion de chasse, donc on va couper. Alors voilà les savons qu'on a commandés. Donc, ça va nous durer super longtemps, je pense qu'un... Combien de temps ça nous dure ça? Peut-être un mois? One month? Yeah, a month and a half. Donc un mois et demi pour un savon à deux là. Alors c'est 100% naturel, olive et huile d'olive et huile de coco pour celui-là. On a pris des trucs assez neutres quand même, au cas où. Et celui-là, c'est olive, huile d'olive, surtout. Et celui-là, c'est rosewood, c'est quoi rosewood? Non, géranium et rose quelque chose. Je vais vous les montrer tous. Et celui-là, c'est un savon au tea tree, l'arbre à thé. Alors, je vais vous tous les montrer. Comme ça, vous pouvez bien regarder de près. Ok. Voilà. Alors, sur ce site, je ne sais pas si vous pouvez commander depuis la France, mais bon, pour nous, c'était ce qui est le plus pratique. Et ouais, un site qui indique qu'est-ce qui est vegan, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et voilà, comme ça, on est tranquille. Sinon, il y a aussi la liste de PETA pour voir les cosmétiques qui sont testés sur les animaux ou non.
ceux qui contiennent que des ingrédients d'origine végétale ou minérale. Donc ouais, c'est facile, enfin facile, je sais pas, mais c'est faisable d'acheter des produits qui ne sont pas testés sur les animaux, quoi. Et qui ne contiennent pas de lait, de miel et tout le tralala, quoi. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. On va les montrer de plus près encore. Ça fait le focus. Au revoir. Au revoir.